Le combat, ce n'est pas la Stamania. Il faut faire des actions, il faut frapper. Et nous, merci, je dis merci à la tenance Campo. Guérir la tenance Campo. Je dis merci au leader de la tenance Campo, aux réunions. Mais les leaders que nous connaissons qui travaillent avec le boss, à Campo la Panthère, je te dis merci. Merci. Merci Campo la Panthère pour le travail que tu fais derrière le boss. Tu fais derrière le boss te pousse devant, on te le dira merci. Nous sommes là pour le Cameroun, comme j'ai toujours dit. Le Cameroun, ce n'est pas une histoire d'une seule personne. Le Cameroun, c'est une histoire de tous. Si demain, on aura chassé Biya, nous tous serons acteurs du chassement de Biya. Ce n'est pas une histoire du général, ce n'est pas une histoire de Cameroun la Panthère, ni de Roselyne Mion, mais c'est une histoire de tout le monde, tous les Camerounais de nous. Je vous dis merci. Tous sont vraiment, les plus belles sont contents de l'accueil. Nous vous disons merci, vraiment merci. Et je ne saurais laisser le micro sans dire merci. À la maman qui porte des enfants, qui tête des enfants, maman Justine Boutan. Quand on a eu des interrogations sur Facebook, elle a dit n'y a pas ce moment de travailler, on va travailler. Je dis merci à Justine Boutan, je dis merci. Je dis merci. Voilà. C'est le micro à la maman de notre groupe, elle est une maman qui ne peut pas manger, qui nous fait le congolais, qui nous fait le congolais. Je vais arrêter le live, tout le monde passe à se connecter ce matin, cadre officiel, ok? Donc ça c'était la deuxième page, c'est toi qui gérer la deuxième page, c'est ma première page, allez donc sur la page principale. Allez, viens sur la page principale, allez là-bas, maintenant cadre, allez là-bas, ciao. Merci. Je vous annonce que la police, juste, s'il vous plaît, merci infiniment à vous tous. Juste un bonjour. Je vous annonce que la police, en principe, à 16h30, nous devions déjà être prêts pour la marche. Donc tous ceux qui reviendront ici, sous le contrôle du grand Duclo qui est là, et qui est le maestro de tout ce que vous voyez au plan technico-artistique, vraiment, tous ceux qui prendront la parole, c'est une minute désormais. Une minute, à commencer par Olivier Kassan. Une minute, c'est le pas de Louis Rabatou, le chanteur de Kouvet. Oli Watade. Allô, ta famille. Je m'appelle Paul de l'Ouest, alias Olivier Tchana. C'est mon nom. Je suis connu sous ce pseudonyme de Paul de l'Ouest et sous mon nom véritable, Olivier Tchana. Vraiment, je dis d'abord un grand merci à vous tous qui avez répondu massivement présent à cet événement qui restera dans l'histoire de soutien à un parti d'opposition et de soutien à un leader emblématique comme notre président élu, son excellence Boris Kamto. Je ne vais pas être long, je serai très bref. J'espère que parmi vous aussi, il y a beaucoup qui me connaissent. Et vous êtes aussi connus également de nous. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'utilité des actions, l'utilité du combat sur le terrain, l'utilité de votre présence sur le terrain, la famille. Sachez que toute action que vous parvenez à reproduire ou bien à faire sur le terrain porte ses fruits et prenez le régime.
J'aimerais lancer ici un appel à tous les combattants qui sont prêts à intégrer les actions sur le terrain à me contacter, de me contacter, la famille. C'est ça mon message. Contactez-moi, toutes ces personnes-là, tous ceux qui veulent combattre sur le terrain, contactez-moi. Parce que nous n'obtiendrons que la victoire que si nous sommes sur le terrain du combat, la famille. Merci encore pour votre soutien. Merci infiniment, mesdames et messieurs, on va être le plus près possible. Partagez maintenant, Facebook a un peu libéré ma page. Je partage maintenant dans tous les forums. Paul Biya doit être au courant. Donc on doit être au courant. Mais Bengo depuis la prison doit être au courant. Oh. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a la voix? Est-ce que le volume est bon? Mettez oui. 3 milliards. On a tué les enfants. Et on a voir voilà ça. Paris le 3 juin, c'est fini. C'est chaud. Avant c'était 10 000, maintenant c'est 20 000 personnes. Regardez-vous, même les images témoignent. Ah oui. Ah oui. Ça va se passer dans une minute, la patronne se calme, on se calme. Ah, Berti, à quelques secondes, un message juste à vous passer, c'est que la personne est là. Oui, Berti, le camion. Canto, président, Canto. Président. Canto. Président. Canto. Président. Désolé, je n'aurai pas beaucoup de temps, juste 30 secondes. Pour vous entretenir sur un fait important, un fait majeur, à savoir la mort des migrants en Méditerranée et dans le désert. On n'aura pas suffisamment de temps pour le faire, mais j'aimerais qu'on prenne juste 30 secondes et qu'on pense à ceux-là qui veulent parce qu'ils veulent un avenir meilleur. Et s'ils prennent la route, ils prennent la route pourquoi? C'est une conséquence. S'ils sont en route, ils meurent dans le désert, ils meurent dans la mer. C'est justement une conséquence de la malgouvernance. Et justement, il faut se battre contre ceux-là qui ont hypothéqué la vie de nos enfants pour avoir... Bonjour les enfants! Bonjour les enfants! Bonjour papa! Ils ont cru que vous n'étiez pas debout, vous êtes restés debout. Ils ont voulu faire croire au monde que vous n'êtes pas fort aujourd'hui, vous leur montrez votre force. On n'est pas chez nous, peut-être,
mais ils peuvent sentir la force et la puissance que vous dégagez chez nous en ce moment. Ils essayent de faire croire au monde qu'on accepte. Ils essayent de faire croire au monde qu'on est d'accord. Et c'est à nous de faire croire au monde et démontrer au monde que c'est faux. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas un peuple abruti. Nous ne sommes pas un peuple faible. Nous sommes des lions, les enfants. Le plus dur, c'est de s'en rendre compte. Le plus important et le plus dur, c'est est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous sentez à quel point vous êtes fort? Est-ce que vous sentez votre force? Est-ce que vous croyez que vous devez attendre que les gens vous disent si vous êtes fort ou pas? Non. Ce n'est pas les autres qui décident. Aujourd'hui, on est ici, place de la République, parce qu'en fait, c'est à cause de cette République bah, qu'on est là, quoi. C'est comme si la République bouffait encore la République. Cet endroit qui aurait pu être l'endroit de toutes les libertés est devenu l'endroit de toutes les plaintes. Chaque fois, c'est des gens qui viennent ici pour se plaindre de ce que la France fait à leur pays. Mais ils le font ici parce que si le serpent ne se mordait pas la queue, est-ce que vous les gens seraient libres. Est-ce qu'il y a le volume? Je vous jure, ce qu'on fait ici aujourd'hui, ça n'aura peut-être pas un impact direct, mais la parole est celle qui libère les hommes. La connaissance est-ce qui libère les hommes. La vérité est-ce qui libère les hommes. L'arrogance n'est pas un bon carburant. Vous voyez tous ces Français qui marchent et qui vous regardent avec arrogance comme des petits gens qui sont en train de faire un truc qui leur perdent leur temps dans leur propre vie. C'est parce qu'ils ont perdu quelque chose de fondamental. Ressentir la douleur des autres. Ressentir la souffrance des autres. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité. Parce qu'ils veulent dire qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'ils veulent que vous continuez de dire c'est la faute du gouvernement français, pas la faute des Français. Mais ils sont où les Français? Quand les peuples africains sont en train de crier la liberté, souffrir, ils sont où les Français? Ils sont en train de manger, ils sont dans des restaurants. Ils vous regardent en disant, faites vite, vous partez. Ils ont perdu le sens de la liberté. Ils ont perdu le sens de la souffrance. Mais vous, vous êtes la liberté. Vous, vous êtes la souffrance. Vous la connaissez, vous êtes des étoiles, les enfants. Vous représentez sur terre quelque chose qui est un idéal pour tout le monde. Un idéal de liberté. Et aujourd'hui, vous êtes debout pour dire que vous êtes des soldats de la liberté. Faites du bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Vous savez, si j'ai décidé que notre prochain rassemblement se fera au Zénith de Paris, c'est parce que je sais que vous le méritez. Parce que je sais que la place de la République est le tombeau de la dictature. Et que si vous voulez sortir de ces barrières-là, il faut prendre d'assaut les symboles. Il faut prendre d'assaut ce qui est grand. Pensez-vous grand. Arrêtez de vous penser petit. Arrêtez de croire que vous devez venir ici. Vous pouvez aller plus haut. Vous savez, j'ai demandé à la fille derrière, est-ce qu'il y a encore des billets à vendre? Et elle m'a dit oui. J'ai dit, pauvre bonhomme, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur arrive, bordel de merde? Ils croient qu'on joue à quoi? Vous croyez qu'on joue à quelque chose? Je lui ai demandé, mais comment c'est que c'est possible? Il y a tellement de Camerounais qui sont là-bas. Il m'a dit, bon, ils sont en train de boire de la bière. Alors je vous jure devant Dieu, les gars. Il y a 7000 places à remplir au Zénith de Paris pour que le monde sente notre souffrance. Et vous devez le faire.
challenge. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il s'agit d'un concert? Dans vos têtes, vous vous dites quoi? Vassero, il vous invite à un concert? Non. On va démontrer au monde quelle est la propre valeur et la puissance qu'on se donne à nous-mêmes. Ce n'est pas à eux de décider où on doit être. Arrêtez. Je pose une question, les enfants. Est-ce qu'il y a des binationaux, est-ce qu'il y a des Africains ici qui ont un passeport français? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez, le seul moment où un politique, un homme politique est vulnérable, c'est au moment de l'élection. Le seul moment où un homme politique est capable d'écouter ce que vous avez à dire, c'est quand le bâtard s'apprête à braquer une élection. Et c'est en ce moment-là que vous êtes fort. Je vous jure, Macron, il n'est pas notre ami, la famille. Je vous jure devant Dieu. Il n'est pas notre ami, il n'est pas notre allié, il n'est même pas notre frère. Parce qu'il ne ressent pas notre souffrance. Parce qu'il manipule notre souffrance. Parce qu'il se sert de notre souffrance et qu'il n'en a rien à foutre. Et je vous promets devant Dieu que le seul moment où il a peur de vous, c'est quand vous devez aller dans l'urne. Parce qu'il ne sait pas si le lendemain il va se réveiller à l'Élysée. Et au lieu de marcher toujours place de la République, sans un impact réel, à demander aux responsables de ce qui nous arrive et de l'arrêter, vous pouvez lui braquer son élection. Vous pouvez lui braquer son élection. Vous pouvez rentrer dans son élection. Vous avez le passeport qu'il faut pour ça. Vous pouvez rentrer dans leur élection. Je voulais vous le dire. Le pouvoir politique, la connaissance, l'intelligence, la lutte, tout est stratégique. Si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a des millions de Camerounais, des millions de Sénégalais, des millions de Nigériens, des Maghrébins. Vous avez tous un passeport français et vous vous plaignez de la politique étrangère de la France. Botez ce mec dehors, putain. Arrêtez de vous balader comme si vous n'étiez pas un pouvoir politique, parce que le bras de fer, il est politique. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Quand je parle, j'aime pas qu'on touche. Je vous jure, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Papa est là, il n'y a pas de désordre. Tout pour vous, c'est une formalité. Mais on n'est pas là pour remplir une formalité. Ce n'est pas parce qu'on va marcher après. Parce que vous allez marcher et les Français, ils vont vous regarder en disant c'est bon, les enfants, marchez. Allez, restez posés, restez focalisés sur le plus important. Le plus important, c'est comment se démerder pour que la France enlève son genou sur le cou de l'Afrique. That is a real shit and fight. Et aujourd'hui, je vous le dis à vous tous qui avez un passeport français, qui avez cette nationalité, vous avez donc un pouvoir politique. Donc vous n'êtes pas condamné à être des activistes, vous pouvez aussi faire de la politique. Vous pouvez voter et vous pouvez dire non à Macron. Vous pouvez bouter dehors sa politique étrangère sur l'Afrique. Vous pouvez rendre puissant le vote africain en France. C'est une notion qui devrait exister. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voulais vous le dire, c'est pour emmerder tous ces gens qu'on est parti au Zénith de Paris, pour leur dire c'est nous qui choisissons où on va. Il paraît que la police coupe dans 3 minutes, vous verrez au Zénith de Paris, personne ne viendra couper dans 3 minutes.
Et donc c'est ce qui se passe quand des gens contrôlent votre liberté. Quand ils vous donnent un temps de parole, et quand ils n'en peuvent plus, ils vous coupent ce temps de parole. Et vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Allez, que chacun prenne pas un bien. Oh, arrêtez avec ça. Que chacun prenne un bien, non. Que chacun prenne 10 billets et rendez-vous par le 18 septembre au Zénith de Paris. Dieu protège le Cameroun. Je n'ai pas la parole pour vous passer le message. Je le ferai tout à l'heure. Je prends la parole pour que vous, les ambassadeurs du peuple béton du Cameroun, et nous, que nous vous entendions. Nous marchons pour, à travers les rues de Paris, pour signifier à la communauté internationale qu'il y a un problème qui se pose au Cameroun. Mais également, nous sommes ici pour faire passer des messages concernant la situation au Cameroun. Je vais vous poser la question, vous, le peuple souverain. Est-ce que nous soutenons, n'est-ce pas, à la marche d'aujourd'hui pour parler ensemble ici et laisser nos musiciens s'exprimer? Ou alors, nous portons tout de suite pour la marche? Mais est-ce que vous décidez? Est-ce qu'on marche une autre fois? La marche est tout de suite. Alors, le peuple est souverain. Donc ne quittez pas partager, j'arrange mon matos. Donc je vous remercie tous et nous sommes un même peuple. Parce que ce n'est pas le peuple qui est responsable de tout ce que nous vivons en Afrique, c'est bien les dirigeants. Alors peuple français, vous avez le droit de vous exprimer avec vos votes pour pouvoir participer à la politique africaine dans les pays et notamment au Cameroun pour qu'il y ait une politique plus cohérente pour tous. Merci à tous et pour l'union des peuples. Merci. Alors William qui vient de Belgique, Aliel a fait un malaise et William doit lui trouver ses remèdes dans sa voiture.
commencer la marche pour partager. J'avais un sac. On partage, on partage. Et ça, ça peut pour marcher. On va prendre moitié la rue de Paris. Là, on va maintenant finir la marche. Bon, la marche, on va le voir. Eh,
Attends, tu n'es pas là-bas avant de saluer quelqu'un de très très spécial. Partagez, bientôt on va aller, on va marcher. Il y a quelqu'un qui vient dire que Gold Glitch, quoi. Là. On marche ici pourquoi? Pour libérer le Cameroun. Partagez, on va filmer la manche. Je ne vais pas me placer loin là-bas au fond. So. On va avancer déjà. Ah ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salut frère. Tous les joueurs dans le camion.
Papa. Après le travail, c'est la retraite. Ouais, ta retraite. Les gars,
Je vais réussir à montrer la queue et revenir encore.
Voilà. 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 Je vais un peu courir, sinon je ne dois jamais rentrer. Vous allez voir la queue, c'est chaud. Oui, le peuple camerounais aujourd'hui est en train de vomir encore une fois de plus le système dictatorial de Yaoundé. Voilà. Voilà. C'est chaud, ça chauffe, ça chauffe. Regardez vous-même. Vous-même, regardez. Plus de 10 000. Tiens, non, non, apparemment, on a même doublé. Plus de 50 000 personnes dans les rues de Paris pour vomir le système dictatorial de M. Biya. Pour leur dire de cesser de voler nos 80-180 milliards. Pour leur dire de cesser de voler nos 3 000 milliards. Et pour leur dire de cesser de voler notre riz Oka. Salut. Ils doivent remettre notre riz Oka. Voilà. C'est chaud. Assassin, complice, assassin, équinoxe de la diaspora, équinoxe de la diaspora, assassin, MRC commune de Charleroi, nous regardons pour la transition, assassin, complice, ACT AJ Canada, tous libres, au nom de la République, tous libres, assassin, complice, assassin, complice. Voilà, voilà, je vais vous montrer, on va réussir, je pense qu'on va pas arriver, on va pas arriver en bas, parce que regardez vous-même là-bas, regardez vous-même, regardez vous-même. C'est trop, je ne peux pas aller jusqu'au, je ne peux pas arriver là-bas, on va se marrer. Oui. Je vous filme ou bien vous voulez voir vos enfants grandir. Je veux tuer les talibans, enfin. Je vous filme ou bien vous voulez voir les enfants grandir. Je veux tuer les talibans. Ok, voilà. Partagez, partagez. Le gars veut tuer les talibans. Partagez jusqu'à ça arrive à étudier dans le bunker. Il doit être au courant. Le gars veut tuer les talibans. Aïe aïe. Donc, vous-même, vous avez vu, je ne peux pas aller jusqu'à. Je ne veux pas arriver loin là-bas derrière, je ne veux pas rentrer. Moi, j'ai mal au pied. Parce que je suis debout depuis. Donc, je vais rentrer avec vous. Les gars, oui. Quand Paul Biya arrive en Europe, il rase les murs. Il rase les murs. Il fuit. Nous avons vomi Paul Biya. Il suffit que Kamto se comprenne le nom de Kamto pour que la population soit dans les rues. Voilà. Qui est dans le vrai président. Donc, voilà. Je continue, vous partagez encore, vous partagez. On rentre devant. Je cours sinon, on ne doit jamais arriver. Salut. Ah oui. Ah oui. Kamto no gotaya, holy water day. Holy water day. Holy water day. Holy water day. Kamto no gotaya. La COVID-19 leur a sauvé. On relance. Voilà. Kamto no gotaya. Holy water day. Kamto no gotaya. Oui. Hein? Non, c'est Facebook qui me bloque. Oui, oui, oui. Même aujourd'hui, quand elle a lancé, Facebook m'a bloqué en direct. J'ai dû lancer sur la deuxième page avant d'essayer de relancer comme ça. Bon, c'est aussi vrai qu'il y a aussi des contraintes. Il y a aussi des aléas de la vie, gars. Parfois. Je suis sûr que le jour que je vais me marier, les Camerounais vont me vomir. Hein, parce que le genre de temps que j'investis, si tu as une femme et des enfants à la maison, tu vas faire comment? Moi, je viens de Pologne. Ok. Donc, alors partagez. Hein? Oui, ça va, ça va. Alors, les gars, on y va, on y va. Voilà. Un cordon de 400 mètres, même. 400 mètres. C'est pas possible. Voilà, Paul Biya est fourni.
Donc, voilà. Merci. Liberté. Merci. People,
tranquille. Macron, complice, pas bien. Assassin. 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 Complice, pas bien. Assassin. Macron, complice, pas bien. Assassin. Macron, complice, pas bien. Assassin. Macron, complice. Macron, complice. Macron, complice. Pas bien. Assassin. Macron, complice. 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 Macron, 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 la chancellerie n'est dans rien partagé. Macron, la COVID-19 vous a sauvé. La COVID vous a sauvé. Là maintenant, là, c'est parti pour partir. Macron, Macron, on va chanter. Holy water,300 étudiants dans les rues de la diaspora.
3 ans que nous battons en France, 3 ans que nous sommes sur la place parisienne, la communauté camerounaise, Macron, qu'il doit cesser d'apporter son soutien aux dictateurs africains et principalement aux dictateurs bolivien. 40 ans c'est trop, trop 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 c'est trop. Non à la dictature. Non à la dictature, non aux arrestations arbitraires, non aux emprisonnements des Camerounais, non à la fermeture, non au sous-développement. Paul Biagio parti, 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 Faites pour vous là-bas.
Non, fait pour nous. Vous êtes un macro, je vous dirai pas le deuxième mandat. On dit non. Non, fait pour nous. Faites pour vous au Cameroun. Voilà. Je suis la mère. Je donne le sens. C'est là, elle est là. On va vous trompe, vous avez les enfants. Tant que les mamans sont là. On ne s'amuse pas avec le Cameroun. C'est ça que je vois moi. Oh. Tant que les mamans sont là, on ne joue pas avec le Cameroun. Nous, les femmes qui donnent des mains. Oh, la musique, la musique. Oh, la musique, la musique. Non, la musique, c'est ça qui est en train. I call you West Cameroon because you will never get it out of our mouth again. Because that is a territory in which we believe leader. To go out and see that the government is basic like this. That is why I say that there are two Cameroons that came together. And you are telling us, like a state minister told me last year, it's like dropping a few chips of sugar into a barrel of water. Who is the sugar and who is the water? I'm asking the government of Cameroon, who is enough? We do not conquer the reward. If this is what you are. Exactement. Ça va aller très mal. Et je vais faire une dernière situation. Regarde, voilà, c'est ça, bien sûr. Parce qu'après, on dit qu'on était 1000, alors qu'on est 6000. Regardez. Comment vous voyez, non? Je veux descendre, regardez, on ne va même pas le bas. Je veux descendre seulement avec vous. Merci. Voilà. Ouais, salut. Il y a des milliers de Camerounais qui sont là pour vomir. Paul Biya, un personnage du passif et du passé. Non à la guerre aux oiseaux. Oui pour un dialogue inclusif. C'est ça là même qui est la vérité. Voilà. Salut frère. C'est comme un matin. Salut. Hein? Voilà. Ils auront aussi le cerveau en acier. Voilà. Voilà. Wesley. Attendez. Voilà ce que la dictature a fait. Toutes les enfants n'ont pas besoin de M. Biya. Non, salut frère. Il demande à M. Biya de dégager. Il ne nous sert à rien. Oh non, salut. Salut pas non. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Salut à toute la famille de la résistance. N'oubliez jamais. Simplement pour que l'histoire retienne, on a appelé, nommé certains des talibans il y a longtemps, faisant référence aux talibans afghans, mais aujourd'hui, face à la force militaire américaine, les talibans ont triomphé et les Américains ont quitté l'Afghanistan. Avant cela, on négociait avec les talibans. Alors, c'est la résistance dans la durée et dans l'usure. Les talibans finiront par avoir raison. Oui, et la bastonnade patriotique. Voilà ça, c'est ça même. C'est ça la vérité. Voici l'équipe champ. Le Cameroun va se changer. L'équipe champ. Nous sommes Paris aujourd'hui. Si on est plus Camerounais au Cameroun, on est plus Camerounais. À on a vomi pas le vent, nous, le vent, nous, vomi pas le vent, nous, les mamans, pour sauver nos enfants. Levons-nous les mamans, parce que c'est nous qui allons à la maternité. Nous ne pouvons pas continuer à voir comment on tue nos frères, nos soeurs, avec les enfants, on nous et rester tranquille. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ce sera le tour de qui?
Levons-nous, peuple camerounais, parce que nous sommes ici, nous sommes en train de marcher tranquillement dans ce pays de liberté et chez nous, c'est la répression totale. Je profite de cette occasion pour rendre hommage aux prisonniers politiques qui sont en prison aujourd'hui, notamment au professeur Alain Foguet, à Olivier Bibounissa, à M. Zamboué Pascal, à tous les prisonniers politiques et les prisonniers ici de la crise anglophone. Levons-nous les Camerounais, parce que notre maire Patrice est mort. Levons-nous les Camerounais, parce que nous n'avons pas de lumière, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons rien. Levons-nous les Camerounais pour sauver notre jeunesse, parce que notre jeunesse n'a plus d'espoir du tout. Notre jeunesse sombre n'a plus de repères. Levons-nous, peuple camerounais, particulièrement aux femmes, hein, parce que les femmes doivent être au devant de cette lutte. C'est très important. C'est nous qui allons à la maternité. C'est nous qui accouchons. C'est nous qui sentons la douleur de l'accouchement. Même le président élu Maurice Kamto qui est là, c'est une femme qui l'a mise au monde. Levons-nous pour dire non, stop à la guerre aux Nozo. Levons-nous pour dire non au blocage de la fortune publique. Levons-nous pour prier juste pour la jeune Malika et les voix. Et le toit jeune homme de la paix, qui sont en prison aujourd'hui pour rien. Levons-nous pour dire non au gré à gré. Levons-nous pour dire oui à une réforme contentieuse du système électoral pour des élections libres et transparentes au Cameroun. Ainsi à Maman Pilon. Sans oublier Maman Pilon. Maman Pilon, voilà. Non, tu ne sors pas, Ah oui, bonjour peuple de la Renaissance. Nous sommes dans les rues de Paris. Nous les mamans, nous sommes tous frères et sœurs. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Nous demandons la révision consensuelle du code électoral au Cameroun. Nous demandons des élections libres et transparentes au Cameroun. Nous disons non au gré à gré. Le peuple camerounais sont leaders. Les Camerounais doivent se lever pour renouveler leur confiance à leur leader. Moïse Kamto ne trahira pas le peuple camerounais. Nous avons intérêt à nous lever pour le soutenir. Peuple camerounais, levons-nous. Chère maman camerounais, levons-nous pour Merci. Protéger bon. Nos enfants. Je vais vous laisser. Depuis le réfugié, c'est ici. Je vais avancer. Si il reste seulement ici, là, c'est que les gens. Regarde, en venant ici en bas, j'avais mis 200. Avant de monter aussi l'accent. Parce que les gens aiment voir la foule. Exactement. Là où ils sont, il y a moins de 100 personnes. Ils n'auront jamais 100 personnes. Parce qu'ils ne savent pas comment. Justement, c'est pour ça que je voulais profiter pour passer le message. Oui, peuple camerounais, depuis le 29 juin, le président élu, son excellent Maurice Kamto, a lancé une campagne pour la libération des prisonniers politiques. Ici, le t-shirt. Il y a à l'arrière de ce t-shirt le site internet dont c'est Cameroun Stop Repression, le site internet. Donc vraiment, allez regarder ce site-là. Il y a toutes les images des prisonniers politiques, tout ce qui concerne les prisonniers politiques. Merci, merci. Merci que le Cameroun soit dehors, que le peuple Cameroun se lève. Le masque. Le masque. Tu vas encore marcher, non? Je suis en train de me demander comment est-ce qu'après ils vont m'aller. Comment on est en train de marcher là? Je dois prendre mon truc à 19h. Je me demande comment après ils vont m'arrêter à la place. Je vais demander.
Ok. So. Ah oui, c'est ça la vérité, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Il y a la différence entre Facebook et le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Ce n'est pas Facebook. C'est sur le terrain. Les milliers de personnes que vous voyez là, ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont sur le terrain. Vous au Cameroun, allez aussi sur le terrain. C'est ça la vérité. Après, quand vous avez resté chez vous, bien mangé, vous êtes fatigué, vous dites que le combat est de Facebook. Salut. Cameroun week-end, ensemble, pour faire des opinions. Libérez le Cameroun.
Bruxelles. Ouais. On est en place. On est en place jusqu'à la gare. Ouais. C'est ça que nous voulons, ah, cette mouvance. C'est ça que nous voulons, cette mouvance. Nous allons libérer le Cameroun de craie ou de force. De craie ou de force, le Cameroun va être libéré. Ils m'ont entendu. Je passe le message là au Cameroun. Les Camerounais doivent comprendre que c'est la rue qui libère. Vous devez vous lever, regarder tout ce monde. C'est pour vous encourager à sortir de chez vous. Sortir, venir déclarer. Déclarer votre liberté. C'est dans la rue que ça se passe. Ça ne se passe pas dans vos chambres. C'est dans les rues. Donc motivez-vous à vous lever massivement. Libère Bobda. Libère-le. Libère-le. Il n'a rien fait. C'est pas lui qui a volé 580 milliards. Libère-le. Vous êtes voleurs depuis la semaine, les siens, on est fatigué de vous. Libère ce pays. Je continue, je peux pas attendre longtemps. Il y a tellement là. Ça, je passe, ça passe, parce que les dictateurs n'aiment pas la foule, les dictateurs n'aiment pas la masse. On n'a plus besoin des dictateurs en Afrique.
Voilà. Faites les captures, voilà la vérité. Voilà la vérité. On parle avec les preuves. Vous allez museler les gens au Cameroun, museler. Mais on va démontrer à l'opinion internationale ici que vous muselez, vous réprimez. Donnez 2 secondes aux Camerounais, ils vont vous prouver de quoi ils sont capables. Vous n'avez même pas honte de votre dictature. Venez faire ça au Cameroun. Venez aussi faire ça à Paris. Venez faire ça au Cameroun. Vous n'allez jamais mettre pied au Cameroun. Et puis, voilà, on appelle ça la démonstration de force. Et bien, je vous dis, moi, bien, n'a qu'à venir aussi mobiliser ici, on voit. Oh. Salut frère. Bon alors. Vous allez m'excuser là, je ne sais pas ce que j'ai fait sur ça. Je vais rentrer à l'état normal. Ok. Ah merci. Donc vous n'avez qu'à dire à Paul Bien. Devenir, ne m'appelez pas parce que je suis en direct. Oui. Je suis en direct. Dédicace spéciale. Dédicace spéciale. Aux Camerounais et à ma chérie. Ah oui, voilà. Je vais encore traverser et rester de l'autre côté pour bien vous montrer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Je dis encore dédicace spéciale à ma chérie. Vous savez que c'est les femmes qui sont des conseillères. Ah oui. Voilà. Il n'y a rien grand homme, il y a toujours une grande dame. Le Cameroun va changer et nous irons au pays. Nous ne pouvons pas perdre nos relations, perdre nos femmes parce que nous mettons le combat. C'est un combat qui est noble. Je reprends. Nous ne pouvons pas perdre nos familles, perdre nos relations parce qu'on mène un combat. C'est un combat qui est noble. Et en montant de sang, le Cameroun va changer. Et nous irons là-bas. Voilà. 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 C'est chaud. Ah oui. Nous avons tous promis le système de M. Bien. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin. Complice. Assassin, complice. Voilà le devant et voici le derrière. Il n'y a pas de pays. Il est tellement beau. Le grand combattant. Ah oui, ah oui, ah oui. Il va seulement le dégager. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Que des millions de Camerounais doivent rester comme ça. Que quand monsieur va prendre nos institutions en otage, que c'est quoi? Il va dégager. Il n'est pas éternel. Monsieur Bien n'est pas éternel, je suis désolé. Voilà. Voilà.
on encadre les matchs. Vous aimez trop dire, oui, aussi en France il y a ça. Ou aussi au Cameroun il y a ça. Pourquoi quand vous n'aimez pas qu'on marche à Yaoundé? Pourquoi quand on marche à Yaoundé, vous ne pouvez pas aussi envoyer la police encadrer les manifestations comme ça? Regardez, voilà les voitures de police. Ils encadrent les manifestations parce que nous avons nos libertés fondamentales. On a le droit de marcher, d'exprimer son désarroi, d'exprimer son mécontentement. Hein? C'est ça, la voilà. Je vous ai montré, mon peuple périt faute de connaissance, faute d'ignorance. Vous comprenez? Tu vas voir un monsieur qui a empêché dans son cachot du désespoir, il va dire, venez faire ça à Yaoundé. Mais nous faisons ça à Paris. Et la police encadre, c'est son devoir. Et nous avons aussi nos droits de manifester. Hein? Pourquoi vous tuez les gens au Cameroun? Pourquoi vous tuez à Yaoundé? Vous tuez au nord-ouest? Vous tuez au sud-ouest? Et quand on vous parle, vous dites, venez faire ça à Yaoundé. Un peu comme si, venez en dessous. Vous pensez qu'on vit ici, on vit en Autarcie? Vous pensez que le monde c'est comme ça? Les êtres humains sont des rats, les êtres humains sont des animaux. Hein? Vous tuez, vous assassinez, vous torturez. Et quand on dénonce, vous montrez encore vos griffes de Satan, de sorciers, de diables, des assassins notoires, des Judas, des gens qui ont tué Jésus. Vous tuez jusqu'à dire, venez faire ça ici. Et ce sont des sangs. Sache une chose. On est où là? Tu n'as pas de place sur cette terre. Tu n'as pas de place sur cette terre. Après que le royaume diabolique partira, toi tu vas choisir là où tu iras. La puissance Gandhi. La puissance Gandhi. Nous savons que tu as tué la Tangandi. L'heure est arrivée où tu vas reprendre la Tangandi. La puissance utilise les armes. Pour défendre leur territoire. Vous utilisez les armes pour tuer vos propres populations. Avec notre argent, les armes que nous-mêmes on a achetées avec nos impôts. Hein? Vous recrutez, nous protégez, vous vous permettez de tirer sur nous, voilà. Sur nos enfants. Tu n'importe quoi. Voilà, donc. Nos combattants, salut. Voilà. Voilà. On passe un match devant. Yo, c'est la fin.
Même la voix est finie. Trop d'amour pour le pays. Libérez les prisonniers! 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 Libérez! 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 Le plus grand volatile! Libérez! Le professeur Fondé! Libérez! Thank you.
Voilà, bon, la batterie va me lâcher. Malheureusement, je vais malheureusement arrêter avec vous. La batterie va me lâcher. Merci à tous ceux qui ont écouté, merci à tous ceux qui ont partagé. On ne sait pas où qui en live, mais regardez dans la toile. N'importe quelle activité, il y a un live, vous partez là-bas, on le voit bien. Apparemment, les gars m'ont abandonné pour sanctionner bon. Cette attitude hautaine de la France. Mais je veux dire, de la France de l'Élysée, de sanctionner cette attitude-là. Parce que, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes à Paris, vous savez pourquoi je dis cela. Il n'y a pas d'égalité. Nous tous avons le droit. Bon, on fait comme ça, on était ensemble. Je vous aime. Il y a une monnaie qui assassine le pays d'Afrique.